Vous vous appelez Oumar Youssouf Touré ou Oumar Touré? Oumar Youssouf Touré, ka Oumar. Ou Youssouf Touré, autant pour moi. Calme, ou Youssouf Touré. Youssouf Touré. Youssouf Touré. Youssouf Touré, n'est-ce pas? Youssouf Touré. Donc on retient Youssouf Touré et non Oumar Youssouf Touré. Nana nak wonga Youssouf Touré, Oumar Youssouf Touré mara. Ah non, il est trompé honnête. Ils se sont trompés. Très bien. S'il vous plaît, votre vrai nom? Youssouf Touré. Youssouf Touré. Donc, c'est pas Oumar Youssouf alors. Oumar Youssouf Mara. C'est pas Oumar Youssouf. C'est Youssouf Touré. Est-ce que, excusez, Ahmed, est-ce que c'est le ministère public, c'est la véritable personne que vous avez voulu envoyer comme témoin? C'est une copie, ils ont déjà reçu. Monsieur le Président, il s'agit bien de du témoin qui comparait à la barre de votre tribunal. Une erreur s'est glissée. On a ajouté Oumar à son prénom. Et quand il a reçu la cédule de citation, il avait bien appelé pour dire qu'il ne s'appelle pas Oumar Youssouf Touré, mais Youssouf Touré. C'est bien la personne que nous avons voulu faire venir. D'accord. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez me rappeler votre profession, s'il vous plaît? Ewali Nara, Arène Oumar Touré Nara. Ewali. Eh Wali, ah non Mara tout de Wali là. Ma Wali. Ah. Ah. Pourquoi ben tu t'attends, assieds toi plein. Allons-y. Ah non non non. Monsieur le Président. Il n'y a pas de réponse dans ça. Je pense que personne ne peut déposer ici sans qu'on ne l'introduise sur sa profession. Ça a été fait avant qu'on ne commence. Oui, mais est-ce qu'alors il peut, parce que moi je n'ai pas entendu. Vous-même vous souvenez avoir omis de lui poser la question sur. Mais on l'a fait. Ça n'a pas été dit. Si ça a été dit, qu'on me rappelle sur sa profession. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas entendu. Je ne pense pas que quelqu'un dans cette salle a entendu sa profession. On peut interroger le greffe. Si le greffe peut me rappeler. Ça. Voilà, il a dit le parquet est en train. Administrateur civil. Pas suivi. Très bien. Voilà. Monsieur, en tant qu'administrateur civil, vous n'êtes ni militaire. Ni féticheur. Mais c'est vous qui êtes partout, avec les militaires, avec les féticheurs. Quelle était votre importance là? Administrateur civil, son mira, féticheur mira, connaître nom tout, Fabrili, Bokouli, Bokouli, Rara, Ita Moussé, Nouya, Ita Nouya, Ira Wali Moussé. Voilà. Fais-la pour la présence à Dialisme. Ça, il faut dire la, ça à présent dans l'espace. C'est celui qui est sorti me chercher. Parce qu'en colon à la blague, il me connaît comme la pomme, sa pomme. Voilà. Et parlez là, pour le. Vous voulez ça où sont répondez à ma question. Voilà. Et demandez présent Dadis. Il me connaît très bien. C'est à vous, je pose la question. C'est vous qui êtes là. Oh, c'est mon gars, il me connaît. Voilà. C'est le présent, ma question n'est pas répondue. Ah. Elle est très simple. Il est témoin, il est tenu de répondre. S'il a choisi de comparaître là, il doit répondre. Quelle est votre question? Je pose la question. C'est lui qui vient de dire qu'il est administrateur. Et il ne doit pas se fâcher quand j'ai la parole. Vous parlez en toute sérénité. Allez-y, maître, posez votre question. Voilà, c'est vous qui avez dit que vous êtes administrateur. Mais dans votre déposition, vous parlez de fétiche, vous parlez de sacrifice humain, vous êtes partout et nulle part. Alors moi, je pose la question. Quelle était votre importance ou quel rôle jouez-vous au sein de ces féticheurs entre les hommes que vous étiez en train de citer ici? Maintenant, les féticheurs quelle était son importance au point d'être logé au camp? Gardé par des hommes en uniforme, cortégé partout où il part, être partout et nulle part, à la fois dans la chambre du président, dans le salon du président, dans le bureau de Makambo, partout où on prend les grandes décisions. Quelle était son importance au point de bénéficier de ce privilège? Ah.
Monsieur le maître, excusez-moi. Président Dadis, que tu parles comme ça. Président Dadis, que vous parlez comme ça. C'est lui qui est sorti me chercher. Donc, on a tiré fait. Moi, je n'ai même pas de réponse dans ça. L'importance là, voilà, demandez-le à lui. Moi, je n'ai pas de réponse pour ça. On est en mission là-bas, c'est tout. On m'a pris pour moi pour faire leur mission. C'est tout, hein. C'est tout. Si on est venu, si on est venu vous chercher, parce que c'est vous qui êtes là, là-bas, hein. Personne là-bas ne vous connaît. Hein. Ils viendront vous dire ça ici. César Christ. Aucun d'entre vous ne vous connaît. Ils viendront. Une autre question, et, s'il vous plaît. Oui, c'est Mikoulou. Monsieur le président n'a pas répondu à ma question. Il a répondu. Malheureusement, on n'a pas entendu l'importance ou la mission qu'il jouait. C'est la leçon qu'on peut tirer. Quel était votre domicile à l'époque des faits? Inu na aminde na leri. Inu ilingira. Je suis à Matam. Matam. Mm. Vous aviez parlé ici. Vous pouvez rappeler au tribunal votre numéro de téléphone à l'époque des faits? Ah non, mais le numéro de téléphone, il fallait dire tribunal. Mais le numéro, il faut que nous nous ayons. Bon, le numéro, c'est présent d'Alif Médon. Le numéro, il faut que nous nous quel était votre numéro? Il a un numéro de téléphone. Non, ma colonie, ça s'est fait longtemps. Je ne peux pas connaître ça, il y a longtemps. Dalis même qui me donne le numéro. À côté, pour que moi communiquer. C'est lui qui m'a donné le numéro pour qu'on communique. Mais, à côté, pour voir ton 623. Est-ce que vous vous rappelez de votre numéro? Non, je ne peux pas me rappeler de ça. D'accord. D'accord. On en viendra. Pas de problème. On en viendra tout à l'heure. Pas de problème. Je vais d'ailleurs y aller directement. Dans votre déposition, d'une part, vous aviez déclaré que le président Moussa Dadis a mandaté le colonel Tcheboro de vous appeler et que ce dernier vous a appelé sur un numéro 623. Vous maintenez cette affirmation? Oui ou non? Oui. Très bien. Vous avez également déclaré quelque part qu'on vous a également affecté un numéro qui commençait par 623. Est-ce que vous maintenez cette affirmation? Non, c'est pas comme vous l'avez expliqué. C'est pas comme ça. C'est pas attends, je vais t'aider quand même. Quand Kegro m'a appelé, président de la République, il vient me voir. Quand le président de la République vient me voir, d'aller pour mentir sur Ousmane Conte. Arrêtons de tirer loin. Je me suis échappé de leurs mains. Tu me poses la question, non? Laissez-le parler, maître. Ne l'interrompez pas. Je vous en prie, monsieur le président. Quand il m'a appelé pour mentir sur Ousmane Conte, je me suis faufilé de leurs mains. Donc, le numéro que j'ai, c'est ce que j'ai jeté. Pour qu'il ne me recherche plus, parce que j'ai. Ce numéro commence par quoi? Après encore, commandant Toumba. Après, commandant Toumba. Non, ça a déjà sa journée de dessin. Il m'a envoyé au cancer grâce à Jeannot Dertin. Je suis entré dans tous ces potins-là. Ce numéro qu'on vous a affecté commence par quoi? Le numéro est dans la folie. Quand nous sommes arrivés, on s'est rencontrés. Attends, maître. Mouton le Mombore, le numéro dans son nid-là, pour que Mouton fasse un manarama. Ils m'ont donné un numéro pour qu'on puisse communiquer entre nous deux. Et là, l'agent Van Branfoa. Ils m'ont fait suivre par un agent. Pour que et quel était ce numéro? Ce qu'il veut savoir. Monsieur le Président, vous ne me rappelez pas, ça fait longtemps. D'accord. Je ne vais pas me rappeler ça, il y a longtemps. Ça a été entendu ici, on peut constater le plus. Vous avez dit qu'on vous a affecté un numéro commençant par 623. Est-ce que vous savez qu'en 2009, 2010, 2012, 623 n'existait pas en Guinée? Laissez-moi. 2010, 2009, 623, mon ami. Non. Écoutez-moi. Laissez-moi, je n'ai même pas posé ma question. Attends, maître, s'il te plaît. Monsieur Touré. Laissez-moi voilà, poser la question. Calmez-vous. On va finir par le faux témoignage ici. Calmez-vous jusqu'à ce que
jusqu'à ce qu'on vous pose les questions, jusqu'à ce qu'on finisse les questions. Ah, okay. Et après, vous pouvez répondre. D'accord, monsieur Pouli. D'accord, monsieur. D'accord. Est-ce que vous savez, jusqu'en 2012, en tout cas, je ne retiens pas la date, ça doit être en 2014-15, jusqu'en 2012-13, le 623 n'existait pas en République de Guinée. Arrête, en 2012, ma date, en 2013, à 623, mon nom. Bon, monsieur le président. Bon, monsieur le président. Je vais vous aider quand même. À l'époque des temps de Conté, 5621, nananou, allez, 21. 621. Allez, 21 quoi. Allô, n'a pas de mal, mais 21, nananou, n'a pas de mal quoi. Allô, il n'y a pas de mal quoi. Mais Guy 23, je me suis trompé quand même quoi. Avant tout. Mais à Guy 23, nananana, membre de la Saint-Denis, Biringida. C'est membre de Saint-Denis, c'est le 23 qui détenait tous. Guy 23. Donc on a 23. Quoi. C'est là-bas où le 23, c'est ce que le président Dadis m'a donné. Ça, c'est un numéro orange à numéro là. C'est un numéro orange. En 23, on a manette. En 4 travail. Et bien, on a 23, on a manette. Tous les membres de la CNDD. Et bien, on a 23 là. Faites les enquêtes. Tous les membres de la CNDD travaillent sur le 23 là. Voilà, on prend 621. C'est bon, s'il vous plaît. Voilà. On prend 621 ou 622. Maître, je suis trompé. 623. 623. 623. Non, c'est pas 623. On prend quel numéro? Ça fait longtemps. Voilà. Comprenez ça quand même. On prend quel numéro? Alors, un numéro mon dun tombe. 621 ou bien 623? 621 ka 623. Maître. Na quoi? Na 621 na temi. Né ya mon numéro. 621 en ce moment n'était même pas sorti. Et mon numéro dit. Allez na fama 62, 23, nénanana. On dit, comme on disait, 62, 23, c'est ça des numéros. Voilà, nénanana, Natemi. En ce moment, c'est ça des numéros-là. Maintenant, son tani. Moi, c'est qu'on m'a donné. Allô, 62, 23, comme ça. Ça fait longtemps. Monsieur le président, on peut au moins noter cette variation au primitif comme le requiert la loi. Le palais, là, il me connaît. Oh, empruntez-moi. Il va monter là. 8 kilos. Allez, s'il vous plaît. Calmez-vous. Monsieur le Président, on peut noter cette variation au moins, comme le requiert la loi. Avec votre permission. Vous demandez au tribunal, est-ce que vous demandez au tribunal de noter? Oui, je sais que voilà. Le tribunal a l'habitude d'ordonner au greffe de noter les variations des témoins à cette barre. Moi, je veux qu'on note cette variation, c'est pourquoi je demande voilà, qu'il vous demandez. Plaise. J'ai demandé, c'est ce que j'ai voilà, demandé. Voilà, je ne vous ai pas compris, c'est pourquoi je vous demande. Je sollicite qu'il vous plaise, Monsieur le Président. Voilà. Notez cette variation, que le témoin renonce au 623. C'est pas ça. Ah, c'est quoi? Une autre question, c'est déjà noté. Savez-vous, monsieur Touré, alors, monsieur Touré. Oui, maître. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal la motivation réelle qui vous a amené à venir vous arrêter ici et tenir les propos que vous aviez tenus depuis ce matin? Bien vu. Là, on a motivé. C'est ce qui m'a motivé. Fais ça. Trois choses. Président Dadis. Président Dadis. Président Dadis Ousmane Conté. Président Dadis Ousmane Conté. Avec Colonel Kandé Touré. Colonel Kandé Touré. Avec Général Alphan Kama. Moussa Mouna Kadine. On s'est juré, prêté serment. Là, il y a Ousmane Conté, il y a pas. Celui qui va trahir Ousmane Conté. Aïe Goundo Nareya. C'est le secret là. Angara Milkeneman, Ali Maraba, à quel jour ça maudit de mettre ça au public. Si voilà. Je ne le fais pas, j'aurai la malédiction. Voilà, il s'est arrêté. D'accord, je continue. C'est juré aussi. Le tribunal a besoin de connaître aussi le témoin qui est devant lui. Et voilà, nous, on dit, à toi, on va refaire, mais Dieu n'est pas. Et ce dernier, il a voulu mettre Dieu n'a pas. D'accord. Le tribunal a besoin de connaître celui qui est devant lui.